Alors bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une recette de fruits de mer. Les fruits de mer que j'ai choisi de présenter, ce sont des crevettes. Vous voyez, ce sont des crevettes fraîches, géantes, qui sont déjà nettoyées. Voilà, je laisse la queue exprès. Voilà, avec les pétoncles. Pour ceux qui aiment bien les fruits de mer, vous allez vous régaler avec cette petite recette très simple, avec un mélange de poivrons, un peu de carottes, des oignons violets, un peu de tomate. Vous allez voir, c'est le concentré de tomate que je vais mélanger avec le fromage frais. On va mélanger ça. Ça ici, c'est l'ail et le gingembre avec un tout petit peu de piment. Et on va arroser le tout avec la sauce soja. On passe à la cuisson. Voilà. On y va. Lorsque l'huile est chaude, que vous voyez, voilà, l'huile est assez chaude. Je verse les oignons. Je mets du sel. Regardez bien la cuisson de l'oignon. Il ne faut pas que ce soit trop vieux, trop brun. Alors, je mets mes morceaux de pétoncle. Ça, c'est une sauce que je fais souvent pendant la soirée quand j'ai eu un reste de riz et je n'ai pas vraiment envie de faire de grosses sauces. Alors, vous faites ça. Je fais toujours ceci. Lorsque ça mijote, on se donne à peu près une minute par côté. Je vais rajouter les crevettes. Je vais mettre du poivre. J'ajoute ma purée de d'ail. Ça, c'est l'ail, le gingembre et un tout petit peu de piment. Voilà. Je verse. Tout de suite, on mélange le poivron rouge et jaune. Ça, c'est une cuillère de tomate que je vous ai dit, une pâte de tomate, une purée vraiment. Vous mettez là. Je vais mélanger avec une cuillère de fromage mou. On met un peu d'eau. On mélange. Une fois que c'est bien mélangé, vous versez dans votre sauce. Ça vous donne une belle petite sauce rosée. Et c'est ce que je recherche dans ma sauce. Je ne voulais pas de sauce tomate. Et je laisse mijoter pendant 5 minutes. Donc voilà le résultat donc de notre sauce. Regardez. Sauce au pétoncle, magnifique sauce. Je vous suggère de le manger avec du riz. Je propose de manger cette sauce de crevettes au pétoncle avec du riz blanc. Si vous aimez les fruits de mer, vous pouvez vous pouvez mélanger plus, hein. Vous pouvez ajouter d'autres fruits de mer que vous aimez bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner
likez la vidéo et votre petit pouce, n'oubliez pas le petit pouce s'il vous plaît. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.